Hey, hey, hey! Bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play de Marwa. Marwa que nous retrouvons en train de faire son petit bain que je crois qu'elle avait déjà fait la dernière fois. Mais c'est pas grave, comme j'ai coupé en plein milieu, elle se reprend un petit bain. Marwa qui a donc été sauvée de sa maladie, de sa nouvelle mort due à l'empoisonnement du pack de la jungle. Kalebou, bah lui, nickel chrome, hein, gars, rien à dire. Oh, t'as plus rien à manger, mon gars. Punaise, ça commence bien. Mais t'as des plasma fruits, là, mon grand. Vas-y, mange. Ça te fera du bien. Et puis... Bah, tu vois que t'as quand même encore des grenouilles, mon gars. Voilà. Un petit pack. Pouf. De plasma, tu vas me prendre celui-là. Voilà, et après tu me feras une petite méditation obscure pour te reposer un peu. Et puis, même avec Marouenette. Ah non, mais quelle classe! J'aime tellement quand ils font ça. J'aime tellement Marwa. Elle va danser. Non, tu vas pas danser. Bon, alors Marwa. Hein? Le bidon et le bidon, hein. Troisième trimestre en 12 heures. Ah ouais, elle va vraiment se mettre à accoucher dans peu de temps, quoi. Donc si tu veux, tu peux boire un ou deux packs de plasma de grenouille. Ah, je venais de le faire. Parce que là, les vacances vont bientôt prendre fin et ben, on va juste pas prendre de risques. On va repartir assez rapidement dans la jungle, quoi. Ça remonte pas du tout sa faim, si. Ah. Ouais, franchement, pas assez à mon goût, hein. Allez, tu peux boire. Elle a plus de plasma fruits. Bon, alors on a quelques... Voilà. Bon, allez, allez remonter. On fait un petit bisou, les enfants. Salut local. Tant qu'à faire. Un petit bisou et on s'en va pour la jungle. Allons-y pour la jungle. Waouh! Il y a un hélicoptère! Qui survole la zone, quoi. Hé! J'avais pas vu tout ça. Oh, avec les crocodiles et tout. Les alligators crocodiles. Oh là là! Mais c'est beaucoup trop beau! Oh, avec l'arbre qui pousse au milieu et tout. Oh, my god! Et ça, c'est des espèces de rivières qu'il y a, en fait, qui séparent tout. Et là, c'est le truc de la jungle. Là. Courir, vampire. Ah oui, on peut aller jusque-là? Sans blague. Je te crois pas. Ah si? Et encore, je suis même pas en vitesse 3. On n'a pas le temps de les suivre, quoi. Ah ouais, ils sont arrivés jusque-là, moins de 2. Et c'était ici qu'il ben voilà, c'était ici qu'il fallait qu'on découvre encore la suite de la jungle avant que les vacances se terminent. Donc, là, on peut pas. Ce chemin est fermé. Mais non, mais... Ah, non, il fallait faire celui-là. Ah, mais non, non plus. Réaménagement mystique. Mais non. Revenez. Était... Ah. Dans un jour. Mais on va faire... Nous, les vacances sont finies, quoi. On peut plus. On peut plus, on a fini nos vacances. Elle est en train de lui chanter une chanson, je suis sûre. Ah bah t'es muette, hein, ma belle. Hein. Tu fais flipper. Tu es muette, ma roi. Voilà, on a récupéré les fruits. Ok, bon. Eh ben qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi je pensais qu'on pouvait quand même passer par... Créer un site de fouille qu'on pouvait quand même passer là-bas quoi dans la mais en fait on peut pas. Attendez, c'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Man. On peut pas. Tant pis. Il fait nuit, Marois. Je pense pas que la chaleur soit la même que d'habitude quoi. Alors. Oui, alors creuser.
Et Calebout aussi, il va creuser. Ah d'ailleurs, je les ai pas rechangés, ils sont en habit de ville. Oh. Niveau 8 pour l'archéologie pour Marwa. Tu vas te changer quand même. Tu vas nous mettre la tenue d'Indiana Jones. Et toi aussi. Non, pas vampire. Tenue. Voilà, parce que j'aime beaucoup leur tenue. Et parce que là, en ville, ça va pas le faire, quoi. Alors, en fouillant un peu partout dans la... Ouais, c'est une espèce d'île, je sais pas. J'ai trouvé qu'il y avait encore un coffre qu'on n'avait pas ouvert. Mais où est-ce qu'on est? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas comment on y accède. Je pense qu'ils peuvent y accéder, hein, parce que vous voyez, je peux les faire. Ah bah non. Mais je peux lui faire ouvrir quand même le coffre. On va cliquer, on verra bien si elle peut venir ou pas. Moi, je sais pas trop comment elle peut venir ici. Il y a même un endroit pour pêcher. Mais on peut pas pêcher. C'est un peu bizarre. C'est toujours dans l'espèce de fosse centrale. Avec toujours l'hélicoptère qui passe. Il est tout petit l'hélicoptère quand même par rapport. Mais voilà, moi je me balade en fait, je me rends compte que j'avais pas été voir dans le fond comme ça là, c'est super beau. Et découvre des trucs, hein. On découvre de sacrés trucs. Ah là, je commence à. Ah non, on est ici, d'accord. Bon, bah écoutez, on va voir si elle va pouvoir y aller, mais je suis pas sûre là. Le temps qu'ils extraient tout. Il est 2h du matin, je pense que les vacances se terminent à 7h du matin, donc après ils vont rentrer à la maison. J'avoue, j'ai pas hâte parce que j'aime vraiment la jungle. À moins que je leur fais rester un jour de plus pour découvrir le reste, je pense que c'est ce que je vais faire. Ah, la Calebout, il s'est changé. Ah non, elle peut pas y aller, vous voyez. Bon, bah tant pis, toi tu vas manger un plasma fruit, on va en donner un ou deux à la jolie Marwa. Parce que elle a quand même un bidou proéminent pour son gars, pour son petit. Je dis garçon, mais c'est pas un garçon. Bah, j'en sais rien ce que c'est. Bon, arrêtez de vous faire des mamours. Qu'est-ce qu'ils font? Attendez, ils ont voulu faire quoi là? Ils ont voulu faire crac-crac ou quoi? C'est quoi le délire? Oh là là, elle a toutes les émotions qui lui succèdent. Parce que le coup du ha-ha, c'était du crac-crac, hein. Oh là là, mon gros, tu sais pas chanter. Est-ce qu'on peut y aller? Une demi-journée. Ah ouais, mais c'est ça. Invite en vacances. Prolonger les vacances, voilà. On va prolonger les vacances d'une journée. Un jour, voilà. Comme ça. On est sûr de pouvoir faire ce qu'il nous faut pour aller ici. Ben, dans ce cas-là, vous savez, on va aller. Ah ben non, il y a des trucs encore à creuser. Calebout, toi qui es un peu en retard au niveau de la compétence archéologie, tu vas venir. Tac tac, il n'y a rien d'autre. Et peut-être que le coffre, c'est pour la destination suivante, hein. Sûrement d'ailleurs, parce que moi je vois pas trop comment on arrive dans ce truc de cette espèce de petite île. Il a trouvé un morceau de calcaire, mais c'est bien. Est-ce que tu es content, Calebout? Et là, on voit rien. je cherche, mais je ne trouve pas. Bon, bah écoutez, on va aller en ville. Parce que. Choup. Non, on va aller avec Caleb. On va aller en ville et on va s'occuper. On va aller sur le marché, tout ça. Alors, je les ai fait revenir au musée pour qu'ils puissent authentifier des choses. Voilà. Hop, tu vas, s'il te plaît, authentifier un objet ancien. Lui, il va re-admirer des trucs. Mais pendant ce temps-là, mon Caleb, est-ce que tu peux aller... Je sais pas où c'est. Oh, c'est trop beau. Une petite église. Ouais, c'est là le marché. Ah, il y a des machettes.
peut pas les mettre. Ranger les objets. Eh bah oui, peut-être qu'on peut pas encore les acheter parce qu'il est un peu tôt dans la nuit. Tard dans la nuit, je ne sais pas. Et que personne n'est là pour vendre. Où sont les vendeurs? Bon sang de bonsoir. Du coup, viens là. Je suis sûre que quelqu'un va venir. Nous, on s'en fout, on est des vampires, on va aller dans la jungle quand est-ce qu'on veut, quoi. Il va pas s'entraîner à chanter. Tu vas faire preuve de respect. Oh, c'est sympa, hein. Il fait preuve de respect envers la statue. Ah, saloperie de moustique. Eh? Chercher un tas de terre. Il est vivant ce truc en plus! Sans deck! Tu marches sur le l'iguane ou je sais pas ce que c'est. Ah. Facture vient d'arriver, 900 simflouz, bah oui. Mais c'est trop drôle. Prends une photo, Calebou. Prends une photo. Mais je crois qu'on peut pas regarder par terre. Si? Ah si, on peut la voir. Et ben voilà. Tac! Petite photo du caméléon, j'en sais rien là. C'est choupinèche. Alors, on n'a toujours pas, peut toujours pas acheter les machettes. Ah, c'est pas possible. Bon, eh ben écoutez, on va. D'ailleurs, elle est où, Marwa, là? Ah oui, je suis en train d'authentifier son truc. Très bien. Arrr. Alors, après une analyse approfondie, Marwa a déterminé que c'était un objet authentique. Une analyse supplémentaire permet de continuer à peaufiner sa compétence archéologie. Et ouais, c'est pas mal, dis donc. 850 simflouz, masque de casse en or. S'entraîner à l'analyse archéologique. Vas-y. Oh, il est beau, hein. Oh, les moustiques, hein, saloperie, hein. Elle a toujours sa bénédiction pendant 24 heures. Troisième trimestre dans 3 heures. Oh là là, elle va nous accoucher en pleine vacances, quoi. Ils sont partis en couple, en amoureux, en lune de miel, et ils vont revenir, ils auront un enfant, quoi. Tout est normal. La lune de miel qui dure 9 mois, quoi. C'est n'importe quoi. Voilà, ils creusent un petit peu, ils vont récupérer des choses. Fin des vacances, dans un jour, donc vous voyez, 7 heures. Il nous reste 24 heures sim pour finir. Les vacances, je leur fais fouiller tout ça avec l'autre site aussi. J'ai un site de fouille ici. Et j'en ai un autre, je sais plus où, déjà. Attendez. Oh là là, moi je me paume hein, ici. Faut pas mourir. Là, dans la jungle, ici. Ils vont creuser ensemble. Et après, ils vont retourner au marché. Et puis, bon, j'espère qu'on aura tout ce qu'il faut et qu'on pourra retourner dans la jungle assez rapidement. Voilà, il me fait peur, Caleb. Il a la dalle et il se plaint de la lumière du soleil à quelqu'un. Donc, non, tu vas manger? Mange ton plasma fruit. Mange ton plasma fruit. Mange ton plasma fruit et mange ton plasma fruit. On va reproduire les peu de grenouilles que tu as. Ouais, pour faire un pack. Là, tu me fais peur. Tu vas pas attaquer les gens, hein. Ça suffit ces histoires. Hein. Elles sont mes putains de grenouilles là. J'ai dit manger tes plasma fruits. Bon, ça va, ça lui remonte un peu, mais c'est pas encore ça. Hein. Ouais, bon, voilà, on va. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, sachant que ici ils font pas de plasma fruits. Hein. Mais je peux toujours aller commander, effectivement. Bah oui, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se présenter au chien. Bah oui, tout va bien. Oh, mais il y a d'autres chiens. Mais dis donc, il y a plein de chiens ici. Hein. Bandido! C'est trop mignon. Mais je suis bête, c'est vrai qu'on peut commander. Il va commander du coup le. Des packs. Sur l'ordinateur. Allez, on va payer les factures, tant qu'à faire. Et. Vampire, vampire, vampire. Même pas un vampire.
Secret de vampire. Commandez des plaques de plasma. Waouh. Ok. Comme ça, il en a. Je vais lui en donner aussi à Marwa. Tu vas commander des plaques de plasma. Il faudrait pas qu'il crève quand même, ce serait très dommage. Voilà, elle, elle a acheté des trucs aussi, Marwa. Puis à la fin, je vous dis, moi, c'est... Hein ? C'est compliqué, là. Hop, tu vas boire, et tu vas boire. Alors, comment va Calebou ? Calebou, il va encore un petit peu faim. Ah, mais ils sont où ces plaques, à lui ? Ces packs, là. Ah ! Ah ! Mais quelle galère ! Ah, voilà. Là, je vais mieux voir, non ? Je dis ça, mais je les vois pas. Mais regardez-moi ce ventre énorme, Marwa. Voilà. Elle va accoucher pour la fin des vacances. Moi, je vous le dis, il faut rentrer. Et soit elle va accoucher dans l'avion pour rentrer, soit elle va accoucher avant ou pile en rentrant. Alors, à peine passé la porte de l'appart. Ah ! C'est catastrophique. Alors, toi, t'es là. Ok, bon, on va aller à la jungle. Allez, c'est parti. Nous y allons. Nous voilà face à la dernière porte. Oh. Oh, c'est trop fort. Il y en a un bleu ici. Bon, eux se roulent des patins. Et regardez, la dernière porte, elle est devenue comme ça. Et celle-là aussi. Ah non, celle-là, il y a encore les... Ah ouais. Bon, alors du coup, on va mettre sur pause avant de faire une connerie. Qui a encore des machettes? Il me semble que c'est que Caleb. Une plume. Ah, non. Marwa a une machette. Marwa. 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 Hop, Marwa, c'est parti. On va ouvrir. Marwa, bon, elle est bedonnante, hein. Mais tiens, c'est un de ses bouquins. Ah non, archéologie volume 1, d'accord. Vas-y, ma belle. On est presque arrivé au bout, là. Des vacances, c'est aussi de tout. Il est 16h déjà, punaise, ils finissent dans pas longtemps. Même toi, elle va accoucher aussi, on pourra pas non plus rester avec un bébé dans la jungle. Ça y est, elle a ouvert le passage. On va savoir ce qu'il se passe. Œuf mystérieux, Marwa se ferait un chemin dans la jungle lorsqu'elle manque de trébucher sur un gros œuf bizarre. Qui sait quel genre de créature il y a à l'intérieur? Que doit faire Marwa? Ne pas toucher à l'œuf, examiner l'œuf bizarre, une compétence physiologie élevée. La physiologie? Elle l'a pas, physiologie. Toucher l'œuf avec la fleur, utiliser la fleur de Guzmania pollenis. Eh ben vas-y. Œuf extraterrestre, oh là là, Marwa touche doucement l'œuf avec la fleur. À sa grande surprise, l'œuf commence à se fissurer et un minuscule extraterrestre en sort et commence à grignoter la fleur. L'extraterrestre est si gentil que Marwa décide de l'adopter. What? Mais moi je veux pas d'extraterrestre. D'accord, donc on est revenu au temple. Mais c'est déjà le temple qu'on avait exploré. Ouais. Non. Non, non, c'en est un autre. C'en est un autre! Qu'est-ce qu'elle va faire? Contempler. Arrêtez de faire nawak, là, les enfants. Examinez. Toi, tu vas examiner, là. Bah, ouais, alors, du coup, on peut aller plusieurs fois au temple. Enfin, oui, c'est une nouvelle ouverture, vous allez me dire. Donc, il y a une petite piscine à l'intérieur, c'est super sympa. Là, il y a un bouquin. L'amour au temps des sandwichs. Archéologie. Le premier n'est plus. D'accord. Il y a des sites avec... c'est pas mal ça. Mettre dans l'inventaire, je sais pas trop ce que c'est. C'est un crâne. Ok. Marwa a découvert que certains déclencheurs ne pouvaient pas à la porte. D'accord. Oh Marwa, t'es énorme. Tu es énorme. Ok, lui il est continu d'examiner. Zut, aucune de ces déclencheurs ne vous la porte. Il faut... D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Autre chose à examiner, je ne sais pas. Ah si, il y a là. Obtenir des informations.
Ah oui, il y a là aussi. Il y a là aussi Caillebout, tu pourras examiner ici. On va bien trouver le truc qui va ouvrir la porte quand même. Lui, il a ramassé le crâne là. Ok. Je veux savoir ce qui se passe derrière. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé ce qu'il fallait activer. Oh non, pas un essaim d'abeilles! La fleur machin. Oh, ça va, il l'a. Bah, heureusement qu'on en a acheté, hein. Voilà. Mais oui, donc je disais, on n'a pas trouvé encore le mécanisme qui devait désactiver la porte. En fait, si je fais activer, il y en a deux, on sait que c'est pas ça, mais il reste arbre ou feuille. Mais on n'a pas plus d'informations, donc j'ai pas envie de faire de conneries. Hein? J'ai déjà failli perdre Marois une fois. Marois, est-ce que tu peux réexaminer? Ah non, tu peux pas. On peut pas, on peut pas. Là, du coup, je l'ai fait réexaminer le truc feuille. Peut-être que ça va aider, qu'elle va finir par comprendre. Je sais, j'en ai aucune idée. En tout cas, elle est concentrée. On va tenter, hein. Je dirais peut-être le feuille, parce que c'est le seul qui est en couleur. J'en ai aucune idée. Il est parti où, lui? Mais il est où? Aller au logement? Mais non, gars. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il est... Il est un peu bizarre, non, ce mec? Caleb, tu nous as fait quoi? J'ai pas compris. Parce que là au-dessus, il y a quelque chose... Oh, punaise, il y a un squelette qui arrive. Là au-dessus, il n'y a rien à examiner non plus. Alors, attendez. Que je fasse pas de conneries. Phalangine Skellington. Ok, tu vas te présenter à Salvador Diedman. C'est une femelle. C'est une femelle. C'est une femme. Est-ce que tu peux demander des trucs sur le temple? Non. Bon, on va faire une offrande sur les feuilles. Qu'est-ce qu'elle est partie faire? Bah, tu peux créer un site de fouilles si tu veux. Pendant ce temps-là, Caillebout, il va tenter sa life. Merde, c'était pas celui-là! Oh mon dieu! Non! Mauvaise activation! Caleb se retrouve couvert de poussière d'os. Mais en fait, d'où vient cette poussière? À quoi sert-elle? Ah, c'est pas grave. Ah, ça va, ça va juste se laver. Ah non, mais franchement, activé. Ah, une offrande au glyphe arbre. Allez, bon, bah tant pis, je m'étais trompée. Bon, logiquement, ça lui fait rien d'autre qu'il était un peu sale. Donc je préfère ça. Oui, c'était celui-là! Yes! Oh, et nous avons un autre squelette! Maintenant, c'est la même. Ah, mais non, parce que je regarde pas dans la. Oh là là. Ça ne va plus. Alors, oh, il y a une table d'archéologie et tout. Très bien, les enfants. Tiens, tu vas créer un site. Tu vas créer un site. Marounette. Pardon, excusez-moi. Ici, on peut passer. Il y a encore une porte. Tu vas examiner ça. Examiner. Et Caillebout, il va examiner ça. Voilà. Et je vous retrouve quand ils auront trouvé. Bon, alors. Il n'y a qu'un seul truc à faire. Ah ouais, non, mais c'est chaud. C'est chaud parce que là, ils n'ont rien découvert du tout au niveau du mécanisme. Et j'ai vachement peur qu'ils fassent nawak. Donc, non. J'ai pas très très envie. Je vous ferai dire. Caillebout, arrête de faire nawak et viens là. On va essayer de se renseigner, quoi, parce que long. Là, il n'y a rien, ils ont rien découvert. Et j'ai pas envie qu'ils activent des trucs. Et qu'ils meurent, quoi, tout simplement. Je pense pas qu'ils mourraient comme ça, mais... ça me fait un peu peur quand même, quoi. Et toi, tu peux pas nous dire... présentation salvadorienne. Tu peux pas nous dire ce qu'on peut faire? Eh, on peut manger le plasma d'un squelette? Attendez. Ce serait rigolo. Vampire. Boire du plasma.
Ceci n'a pas de plasma actuellement. Ah bah oui, actuellement seulement, hein, parce que faut pas déconner, hein. Mais Marwa, t'es énorme. Voilà. Bon, faut qu'on trouve comment passer la porte, parce que sinon, on va se faire empoisonner. Bon, alors j'ai aucune idée. On a le choix entre 3. Ah bah tout à l'heure j'ai l'impression que c'était 4. J'ai envie de mettre Soleil parce qu'elle a la bénédiction. Donc j'ai peur! J'ai peur! Oh! Une main! C'était pas bon. Arc! Qu'est-ce qui t'arrive? Compétence fitness. Ah, améliorer sa compétence. Oh, cool! Activé. Tête de flèche. Oh là là. Je vous jure, il y a aucun moyen de savoir si c'est bon ou pas en fait. Ah my god! Quelle horreur! Ah putain, ça y est! Mauvaise activation de flèche à toi. Eh ben voilà, elle a rechopé le truc. Tout va bien. Mettre un trou, la tête, truc dans le trou arbre. Voilà, normalement ça c'est bon. Non plus! C'est quoi? C'est des sous qui se transforment en poussière? Qu'est-ce que t'as? T'es pas bien? Se sent mal, fléchette empoisonnée. Mauvaise activation. Et donnant vraiment fin dommage qu'il n'y ait pas. Qu'il y ait des squelettes que vous avez besoin de trouver la viande. Non, mais t'inquiète, nous on a ce qu'il faut sur nous. J'ai bien fait d'acheter des packs de plasma avant de venir. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Pour la poussière d'os, on a de quoi faire. On ira chercher le remède. C'est pas grave, ça c'est bon. Bon, moi je sais plus, hein. Tout est mauvais. Ici, accusé d'être responsable, je suis pas forcément pour. Activé, et ben en fait, on peut pas passer quoi. Là, honnêtement, je suis coincée. Je sais pas. T'as été regarder le truc là. Mais en fait, on peut plus examiner quoi que ce soit. Ou alors, j'ai raté le coche quelque part. Ça, on peut pas examiner. Je sais pas trop ce qu'il faut faire. Je sais pas. Je sais pas du tout. Non, il y a rien qui va. Bah là, c'est l'ancien truc, mais en fait, c'est très bizarre. Ce temple-là, il nous laisse pas. Il nous laisse pas faire ce qu'on veut. Bon, bah creuse. Et creuse. C'est pas grave. On n'aura pas fini. De faire le deuxième temple. On a deux fois des poussières d'os. Hein. Pour vous inquiétez pas, maintenant je suis sereine, je sais qu'on peut sauver Marwa, qu'elle a s'est repris une fléchette. Mais on y arrivera. On y arrivera. Ah, il reste que 4 heures avant la fin des vacances. Donc effectivement, on n'aura pas le temps de finir le temple. En même temps, c'est un peu chiant en fait. C'est quoi ça? Ah, c'est le reste. Bah, après, ils y retourneront peut-être hein, plus tard. Soit deux, soit avec leur futur bambin enfant, on verra bien. Enfin, peut-être pas quand il sera bambin ou enfant, peut-être plus ado, je sais pas du tout. On verra bien hein, pour l'instant. Je suis déçue, on n'a pas été jusqu'au bout. C'est pas assez long. Et là, parce que quand même, elle va accoucher, donc on va devoir rentrer à la maison quand même. Au bout d'un moment, ça va pas être possible. Là, on arrive vraiment sur la fin des vacances. Il me semble que c'était à 7h20 du matin qu'ils nous signalaient que c'était la fin, quoi. On va voir ça. Il reste 10 minutes, Sims, évidemment. Avant de rentrer à la baraque. Alors, par contre, ils trouvent un tas de merdier dans la terre. Donc, ça va être sympa. Ils vont rentrer à la baraque. Ils vont faire que ça. Pour se trouver, on va avoir des trucs, à mon avis, très sympas. Et une poussière d'os encore. Et voilà. Prolonger la location de la jungle. Non, on va rentrer. On va rentrer. Je suis tristesse, mais on va rentrer. Oh, je voulais pas rentrer à la maison. Je voulais pas rentrer à la maison. Et voilà nos aventuriers qui sont revenus. Alors, par contre, je vais faire une chose tout de suite. Marwa, tu vas prendre évidemment tout de suite un petit antidote. Voilà,
Mais on a la poussière d'os et tout, mais là on n'est plus Salvadorada, donc on peut pas demander. Lui, il va aller carrément se prendre une douche. S'il te plaît, tu peux te barrer, Rieko. Voilà, tu viens là. Et on n'a pas vu notre petite Pichoune. Ah, la petite Nabeshima, le retour à la maison. Et elle dort sur la table. Ben oui. Ben oui, ben oui, ben oui. Marwa, t'as acheté ton antidote? Voilà. Et on va le boire tout de suite. Parce que sinon, si je le trouve, c'est le merdier dans son truc. Mais vous voyez pas tout ce qu'il y a? Où est-il? Peut-être qu'elle l'a pas encore eu. Normalement, c'est bon, hein. Normalement, tu l'as. Hein. Je vais pas dire de conneries. C'est juste un truc, ça. Oui! Avaler l'antidote, et puis on sera bien. Ouais! Ça y est! Elle est de nouveau guérie. Bon, lui, il a déjà répété la douche. Ça va pas, non mais franchement. Hein, vous rentrez de vacances là et c'est le bordel. Rieko! Marwa! Va dire à Rieko que. Hey, salut! Alors c'est bien, ils se sont pas vus depuis plusieurs jours ou mois, ça dépend comment on le voit. Eh mon Dieu, ça y est, elle accouche. Oh là 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 là. Je vous avais dit qu'elle allait accoucher quasiment en vacances, quoi. Eh bien, est-ce que tu peux lui partager la grande nouvelle? Parce que bon, c'est un peu trop tard, je dirais, mais. Non, je peux pas. Montrer des photos. Ouais, vas-y, montre des photos, Marwa. Oh, j'en peux plus, elle est en train d'accoucher. Mais c'est pas grave, parce que je vais pas la faire accoucher tout de suite. Je vais attendre le prochain épisode, comme ça moi aussi j'aurai la surprise. Parce que voilà, ça va être sympathique. Lui, il est en train de réparer la douche. Tu lui montres des photos. Ouais, vraiment pas bien. De toute façon, le bébé va sortir. Donc, oh punaise, j'ai tellement hâte de savoir. Allez! Référent, compétence sculpture. Ben voilà. Je vous jure. Allez, tu viens t'asseoir là, ma belle. Calebout aussi, quand tu auras fini de faire la douche. Voilà, moi je vais vous laisser ici pour cet épisode. Le prochain, évidemment, commencera par l'accouchement de Marwa. Une grande surprise nous attend pendant que Nabeshima fait son petit caca. Je vous dis donc à très bientôt pour le prochain épisode. N'hésitez pas à laisser des prénoms au cas où on aurait des surprises pour l'accouchement. Moi j'ai déjà une idée, mais on sait jamais. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé jusqu'ici. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Allez, salut.